Non, non, je crois pas. Et non. Le arrive, c'est pour la compétition ou... Ouais, ouais. C'est à 6h40. Ah, pour finir. Ouais. Le départ, il est à 6h40. Donc il va arriver. Ouais. Mais il est juste là, donc il arrive dans pas longtemps. Ah, ok, je l'ai pas. Tant mieux si c'est gentil. J'espère que vous avez pris des trucs pour pas avoir trop froid. Parce que je vois qu'il y a plein de monde et puis ils juste des dans un accord en verre et tu cailles à fond. Beaucoup de monde à quel point là-bas? Je pense au total, il faut avoir 200 personnes. Ah, quand même. Il y a combien de watts? Tu m'as dit que le premier c'était à 8h? 3 watts. 3. T'as des catégories quand c'est comme ça? Non, là, il n'y a pas de catégorie. Non. Là, c'est tout le monde dans le même là. Là, c'est peut-être que tu dis à Amiens ou à Paris. Là, par contre, t'as des catégories. C'est prêt à 5 et Dino? Ah ouais. Dino, le secouriste. On est parti pour combien de temps de route du coup? Une heure. Une heure? Ouais, peut-être un peu moins. En Belgique, ça va commencer vite. Hein. Ouais, ça va, ouais. Bon, t'inquiète pas, il y a le montage. Ouais, mais t'auras des preuves pour me mettre au prud'homme. Non, j'ai vu les stagiaires. J'ai même déjà des preuves que t'as fait un excès de vitesse. Ça va aller. Ça va aller. Salut. Bonjour. Salut. Salut. Ça va? D'accord. Ouais. Pour des trucs à décharger, je viens ou c'est bon? Non, non, c'est bon. Avec toi, c'est bon, j'ai fait la vidéo, 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 c'est bon, Notre tranche, les gens préfèrent des vidéos un peu plus longues, ouais. Plus construites. Bah, c'est un contenu un peu plus posé. Et bon, après, quand c'est dans une discipline un peu qui nous plaît, forcément. La tendance, elle est en train un peu de s'inverser à cause de TikTok, mais moi je sais que quand je regarde YouTube, c'est que pour des vidéos longues. Les autres vidéos, ça me fout. Ah ouais? Un vlog de 5 minutes, c'est pas intéressant. C'est mieux un truc bien construit de A à Z. Ouais. Ah bah là, tu vas avoir de quoi faire. Tu vas même en avoir trop, ça va être chiant à trier, je pense. Ah ouais, il va avoir un gros rush, hein, je sais. Hein. Ça va être chiant à trier. Bon, c'est pas grave. When your legs don't work like they... Five minutes now! 5 minutes!
Thank you.
premiers passages sont terminés, les juges et tout le monde a quitté la place des athlètes. Ceux de Chebada ont fait leur premier tour, quelques PR, quelques échecs, ils retirent les barres, ils retirent les poids. Là pour l'instant, ce que je vous propose, c'est d'aller directement voir les athlètes et leur poser quelques questions. Qu'est-ce que t'as pensé de ton premier tour du coup? C'était cool, le public était là, puis c'est des bars qu'on aime bien, donc avec Manu on se complète bien, donc ouais c'était bien. Manu il fait la partie légère et moi je fais la partie lourde. On va demander à Théo. Théo, que t'as un petit mot à dire pour le tour que t'as fait? Je suis plutôt fier de mon WOD, j'ai PR à 100 kg en clean, j'ai échec en jab, j'étais un peu déçu. Ouais le WOD s'est bien passé, Kenny a géré plusieurs barres lourdes, moi j'ai géré les crossovers, j'étais plus à l'aise. J'ai des beaux ralentis tours d'ailleurs Kenny. Et toi t'as les échecs à dire sur le passage du coup? Ah c'est vrai j'étais content mais j'aurais préféré aller chercher plus haut par ici. Des voyages d'écoute. Mais ça va heureusement quitter là pour m'aider. Normalement c'est 6 voire 7 si t'es dans les 32 meilleures équipes je crois. Et 6 si t'es dans les 32 meilleures je crois, si je dis pas de bêtises. La gym, ça va être bien. Enfin je pense. De chance. Le mode c'est beaucoup plus facile quand t'as deux personnes qui sont un peu différentes, tu vois. Tu vois par exemple Antoine et Rémi ils ont le même profil d'athlète et du coup sur des modes comme ça c'est un peu plus compliqué. Tout en binôme. T'as des compétitions en indiv, après t'as des teams, t'as hommes, enfin homme-homme, femme-femme, homme-femme, après t'as homme-homme-femme, ici c'est homme-homme-femme-femme. En général, il y a plus de monde sur les compétitions en duo parce que c'est plus compétition solo, c'est plus les, tu vois, les athlètes vraiment très confirmés comme Laurie, tu vois. Laurie, elle peut faire de l'indiv, elle est forte. Enfin, nous aussi on pourrait, mais bon, tu prends un peu plus cher, quoi. Typiquement, un WOD comme ça, je l'aurais subi, moi. Que là, bon, ça va. C'était un bon petit WOD, j'ai bien aimé. J'ai fait un PR en clean and jerk, 105, en clean pareil 115, bah même 2. J'ai cherché au-dessus, bah j'ai essayé, hein. Peut-être à un moment ça va passer, bon, c'est pas passé, mais on a bien géré, j'ai bien kiffé. On va continuer comme ça. Vous êtes en binôme aussi? Bah il m'a félicité aussi, il s'attendait pas parce qu'on a jamais vraiment trop WOD ensemble. Il m'a jamais vu vraiment de quoi j'étais capable. On est plutôt fiers de ce qu'on a fait. Et prochain passage du coup? Bah pour l'instant le WOD n'a pas encore été annoncé. Je pense que ce sera des HSPU, certainement de la gym. On va beaucoup. Merci. When your legs don't work like they used to before. Push-up, synchro. Les push-ups vont se faire là-dessus. D'accord? Le standard, ce sera de toucher les pecs avec la poitrine et d'avoir les bras tendus. Un push-up assez simple. Il y a des questions? 15 push-ups synchro. Ensuite, 30 pull-ups. Pas synchro. On a quand même pas mal de débutants. Ensuite, on a 15 A-jump synchro. Il y a deux choses à faire. Toucher avec les fesses les plates. Ils sont synchro. Ils ont fini leur règle de synchro du deuxième tour du premier club. Ils vont leur prendre chacun leur plate de main, la règle à l'autre. On verra avec leur plate, la pose de chaque côté dans la masse. On passe sur deux tours, et là ça va rigoler. District and then push-up. Ensuite, la tour, on verra pas. Pistole synchro. Bon, on fait tous les deux le même poids, donc il fait 76, je fais 75 en fait. Bon, je pense qu'on va alterner. Hein. Il y en a 10, ça va. Je pense qu'il va y avoir des chutes un peu. Les A-jump là en arrière, je pense qu'il va y avoir de la chute. Okay. Progressif, bah. Ceux qui savent faire des pull-ups, bah, comme là au début, comme les barres, c'est progressif aussi, tu vois. Et là, non. Là non. Les squats, qui c'est qui va porter qui dans vos binômes? Ah ouais, qui va porter qui? Il va même me mettre comme moi. Kenny et Théo, qui est-ce qui va porter? Kenny et Théo. Bah ça en vrai je sais pas, parce que là ils font tous les deux le même poids. Kenny ce serait bien qu'Antoine me l'aider. Je pense qu'il va y avoir des chutes. C'est le premier truc que je me suis dit. Ouais. Au premier tour, au deuxième. T'as peur de la caméra? J'aime pas. Sinon tu parles, tu me dis qu'il n'y a pas de caméra, finalement comme si tu parlais à moi. J'aime pas. T'es pas au courant mais t'es filmé déjà. Ouais. Tant pis. Je rallonge, je restais un quart d'heure comme ça, les trucs classiques. Dis-toi, c'était tellement chimique que ça collait au truc, qu'il n'avait pas à passer. J'ai appuyé 15 fois sur la chasse d'eau, il restait collé et tout. J'ai dû faire comme ça pour le décoller. Peut-être des barres protéinées. Ça sert à rien, ça. C'est les billes à shaker. Ouais. C'est ça, hein. Ouais, ça sert à rien quoi. Ouais, c'est plein de trucs différents. Ouais. Soit des shakers. Je pense qu'ils ont. Non, c'est quand tu participes.
D'accord. T'as fait des PR ou... Un PR en clean mais pas en clean and jerk. Non. Passer le clean mais pas le clean and jerk qui est pas passé. Et pour la prochaine là du coup il y a un exo que tu redoutes un peu plus? Bon, sur la gym non. Les squats avec le collet quand même c'est un peu particulier non? Par contre j'ai un collet de 60 kg. Bon donc ça va encore. On est léger donc c'est, sur celui-là ça ouais. Va aller. C'est sur ce WOD ou jamais tu vois en fait. Bien, hein. Je fais 90. Ah ouais t'es à 87. Ouais 87,5 Combien d'étapes tu vas à ça? 20, 10, tu vois. De stress, gros, ça va aller. Ça va aller, les deux semaines, homogène, tu vas te retrouver très vite en difficulté si tu as les mêmes points faibles. Je vois quelqu'un qui, si tu prends un binôme qui est très mauvais en gym et que tu as un WOD où il n'y a que de la gym, bah les deux vont subir. Ouais. Alors que si tu en as un qui est quand même meilleur en gym, bah il va prendre un peu plus et l'autre va se reposer. Tu vois. Ouais. Et inversement, sur l'autre WOD où il y aura plus de barres ou plus de cardio, c'est pour ça que c'est intéressant les duos. Puis souvent on performe parce que du coup on est tous. Alors qu'en individuel, tu as l'adrénaline de la compète, mais bon, tu mais t'as pas quelqu'un qui est vraiment derrière toi. Je peux lui mettre des claques dans le dos, moi ça me va. Puis on n'a pas tous le même ressenti selon les WOD, tu vois. Puis après t'as des groupes, c'est des gros costauds, ils sont forts en tout, donc bon là ça te force à tout donner, tu vois. Après là, on a de la chance, c'est qu'il y a un groupe même de badass, un petit groupe, et tu vois là pendant qu'on WOD, on les entendait, c'est bien. Des gens là ils jouent enfin ils sont en indie, ils sont pas trop supportés, ça doit être plus dur, tu vois. Bah ceux qui sont tout seuls, c'est pas évident. Mine de rien, tu vois, là on était tous ensemble, on s'est encouragés. Une question qui est un petit peu conne, ceux qui gagnent finalement, ils ont des joueurs, mais il y a quelques... C'est un, on appelle ça, alors je sais pas si c'est un cash prize. En général, sur les petites compètes comme ça, enfin petites compètes entre guillemets, ouais. C'est des packs athlètes, des t-shirts, des boissons, de la whey, enfin plein de trucs. Sur les très très grosses compétitions, notamment celles qui sont affiliées CrossFit, il y a du cash prize. Ouais. Donc là, c'est vraiment de la monnaie. Au French, je crois, ça peut monter jusqu'à 10 000. Hein. Facile. Tu prends les battles, ils montent déjà jusqu'à 5 000, je crois. Mais c'est des très grosses compétitions, c'est souvent celles qui sont affiliées. Ouais, c'est des compétitions aussi qui sont inaccessibles pour des personnes comme nous. Tu vois. On est bon entre guillemets parce qu'on se complète, mais ceux qui vont là-bas, ils sont incroyables. Ouais. Ils sont complets en fait. Ils font partie des meilleurs qui sont complets, donc c'est encore autre chose. Ça va être deux tout le monde je pense et un dernier avec les meilleurs. Il a fait la conteste. Non je suis pas là. Putain je t'aurais fumé.
On va refaire de l'apéro. Demain, ils vont avoir tout le monde. Ils vont refaire deux WOD avec tout le monde, je pense. Et ils vont prendre dans le classement, ils vont prendre, je pense, la moitié. Donc les meilleurs, les premiers, la moitié. Ah, ou les trois premiers, ou les quatre. Et ça va être que eux qui vont passer, les autres. Ouais, je pense que ça va finir un peu avant. Par contre, après, il y aura les podiums et tout. Je sais pas comment ils font. J'en ai fait qu'une de compète, moi, il y avait des podiums et tout. Ouais. Donc là, je sais pas s'il fait des podiums. Bien joué! Tu veux le faire sur quoi aussi? Sur du muscle, hein, normalement je le fais pas sur le sol. Okay. En fait, tu veux trouver un endroit qui est douloureux, ouais. Quand c'est douloureux, t'appuies encore plus fort. Plus mal à genoux, retends-toi. Ça va aller. Ça va être quand même. Ouais. J'ai les poils en vrac, moi je trouve le point. Vas-y, bah mets-toi sur le bord. Je trouve le point. Bien enfin, sûr, le trois plus. Ah, c'est bon. Et là, t'appuies, tu vois. Là, ça fait mal. Là, ça fait mal. Mais c'est hyper efficace. Ouais. Franchement, après, ça va. Sur la seule compète où je l'avais pas encore, il y avait des kinés sur place. Les mecs, ils me massaient gratuitement et tout. C'était royal. C'est mieux un kiné qu'un pistolet. Mais pistolet, ouais, ça dépanne bien, on va dire. T'as vu les stories que j'ai vues ou pas, Julien? Ah, c'est bien. Ah, j'ai pas tout vu, mais aussi j'ai vu jusque le ralenti de Romain, moi, avec la pancarte. Ouais. Tu dois pas avoir beaucoup de batterie. Thank you.
Elle va faire le Antoine, elle fume que toi. Une meilleure mobilité que toi en plus. T'avais pas dit 10 balles? Hein? T'avais pas dit 10 balles? Trop compliqué, hein? Non, 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 j'avais dit 10 000 balles. C'est ça, sinon on t'en prépare. Je pense que je peux mieux faire sur certains WOD, mais sinon, ouais, ça va. Ouais. Moi, Jérémy WOD, genre le deuxième par exemple, tu vois. Bah, je suis juste con parce que l'abmat, je l'ai mis trop proche du mur. Ouais. Et quand j'ai voulu faire mes HSP, bah, je suis tombé. Et je me suis pas dit que c'était l'abmat. Je me suis souvenu. Après, c'est bien, t'es autocritique sur ce que tu fais. Je trouve que c'est bien. Et ouais, dommage, j'essaierai d'être un peu plus. Comment dire? Demain, ils font les mêmes mouvements? Non, non, non. Bon, il en reste plus beaucoup. Ils ont du boulot pour ranger les poids. On dirait un basique tout le vendredi. Putain, demain il y aura des bonnes gueules. T'es pas en faire une nouvelle set dans la voiture? Ouais. Bon là, on se dit, on reste à venir. Demain, du sida froid, tu vas marcher comme ça. Petite triple carmélite, pizza. Bon allez, c'est à toi ça, Jules? Non. C'est vrai, t'es satisfait des stats de l'équipe, Jules? Bon, on verra le résultat. Devant le résultat, tu piras. Donc nous voilà tous à la fin de cette dernière édition de la LC Prodon organisée par Max Angbos et son magasin de compléments alimentaires LCLife.fr. Je vais vous donner un petit peu les résultats, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez découvert des choses, j'espère que vous avez aimé voir les athlètes en souffrance. Au niveau des classements, donc nous il y a quand même pas mal d'équipes qui ont représenté CrossFit Badass et CrossFit Ontos sur Béthune. Nous avons donc dans la meilleure équipe homme-homme de cette compétition, donc Dino et Romain avec CrossFit Ontos à la 5ème place. Ceux qui ont le mieux fini de chez nous. Ensuite, nous avons Honda Steam, Jérém de CrossFit Badass et Thibaut de CrossFit Ontos qui ont mené une équipe à deux, qui eux ont terminé 6e de la compétition. On était un peu au coude à coude avec eux. Nous avons mon équipe CrossFit Badass avec mon coach Manu. On a terminé donc 9e. Nous avons ensuite Bad Entos qui ont aussi un athlète de CrossFit Ontos et un athlète de CrossFit Badass. Donc Thomas et Romain ont terminé à la 18e place. Ensuite, nous avons aussi Fit and Fat. Deux athlètes purement badass, Kenny et Théo, qui eux ont terminé à la 24e place. Nous avons aussi l'équipe Tarski et Hutch, 100% badass, avec Antoine et Rémi, qui ont terminé à la 28e place. Pour les mecs, c'est tout. Et il y avait aussi quelques filles engagées. Donc nous avons l'équipe L au carré, donc de Laurie et Lucie, qui eux terminent à la 4e place chez les filles, à quelques points du podium. Félicitations à elles. Nous avons aussi l'équipe CrossFit Badass Free Will de Marie et Mathilde, qui eux terminent 16e chez les filles. Et nous avons Ontos Toubar, qui est l'équipe de Julie et de Wasila, coach à CrossFit Ontos, qui termine 24e de la compétition Fifi. Donc félicitations à tous les athlètes, aussi bien ceux de CrossFit Badass et de CrossFit Ontos, mais à tous les autres qui ont participé à la compétition. Mais voilà, pour une première chez nous, c'était pour certains athlètes, c'était leur première compétition, donc félicitations à eux. C'est jamais facile de se donner dans une compétition, surtout quand on connaît pas les WOD et qu'on est dans un environnement différent. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Salut !